Salut Théo, je t'attendais. Goldebert, tu tombes bien. J'ai besoin de toi pour gravir la montée de la projection pour imaginer ma future vie. Ok, tu as compris que tu pouvais vivre dans un système qui utilise les canons. La montée de la projection est un moment de grande créativité. Oui, j'ai compris que je ne pouvais plus combattre comme avant. Ah, tu veux être artisan de paix. Tu veux être canonisé. Sais-tu que Saint-Paul emploie ? Artisan d'épée ? Bah non, je ne vais pas fabriquer des épées. Bon bref, Goldebert, j'ai plein de questions en tête et j'ai besoin que tu m'apportes des réponses. Je t'écoute. Ne répète à personne ce que je vais te demander. Crois-tu que je pourrais tirer avec un gros canon ? En fait, je n'arrête pas d'y penser. Pour cela, tu devras manier d'énormes boulets. Et tu n'es guère épée. Mais pourquoi pas ? Ah ! Et comment dois-je faire pour intégrer un régiment de canons ? Tu devras aller voir la grosse Bertha. Elle vérifie qu'on n'embauche pas de boulets. J'ai encore une petite question. Pour tirer au canon, on est vraiment obligé d'avoir ta nouvelle coupe de cheveux ? Ah, tu as remarqué ! C'est canon, hein ? C'est pas obligatoire, obligatoire. Mais je me suis dit que pour tirer au canon, il fallait changer de mèche. Ah, merci, mon frère. Ah, je m'en vais de ce pas voir la grosse Bertha. Bertha ! Bye.